Quelles pourraient être les modalités de participation des athlètes gabonais aux Jeux du Commonwealth prévus en 2026? La question était au cœur de cette réunion technique entre le Comité national olympique gabonais et la Fédération des Jeux du Commonwealth. Il faut voir dans quelle mesure le Gabon peut y prendre part, comment préparer des athlètes. Et c'est de compétition en compétition comme ça qu'on va vers les Jeux olympiques. Donc tout le programme de travail s'organisera autour des programmes de ces Jeux de Commonwealth, autour de modalités d'aide, d'appui de la Fédération des Jeux au Gabon. Pour Chris Jenkins, président de la Fédération des Jeux du Commonwealth, les sanctions de cette organisation intergouvernementale infligées au Gabon au lendemain du coup de la libération, le 30 août 2023, ne devraient pas empêcher la participation des sportifs gabonais à cette grande messe du sport. Donc, je suis très heureux d'être ici au Gabon. Le but de ma visite, déjà, est de rencontrer le vice-président, le président et la team qui constitue l'association de Commonwealth et aussi de voir à quel niveau nous pouvons travailler ensemble concernant le sport et les infrastructures et tout accompagnement dont ils auront besoin. Alors, il ne devrait pas avoir de soucis normalement parce que tant que le Gabon n'est pas suspendu mais n'est que sanctionné, les athlètes pourront toujours prendre part aux Jeux du Commonwealth. Nous espérons par contre que le Gabon fasse plus d'efforts pour pouvoir diminuer la sanction jusqu'à ce qu'il revienne sur la norme. Après cette étape, Chris Jenkins devrait également se rendre au Togo, un pays qui, comme le Gabon, a rejoint l'organisation en 2022, ces deux pays africains étant les derniers nés de l'organisation du Commonwealth.